Yo tout le monde, c'est Histoire Zéro, on se retrouve pour cette vidéo, voilà, donc c'est une vidéo test, voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais je viens de me rendre compte que bah, c'est parfait en fait, parce que OBS c'est super pratique, voilà, donc c'est une vidéo qui va durer, je vous dis tout de suite, hein, c'est une vidéo qui va durer 3 minutes, voilà, environ 3 minutes. Il n'y aura pas de gameplay, donc en fait c'est uniquement une vidéo de test. Je ne sais même pas si elle va sortir la vidéo là. C'est une vidéo test pour eh bien, ma chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas si vous le savez, enfin, un abonné le sait, parce que j'ai un abonné sur YouTube, mais j'en ai un. j'en ai pas zéro. J'ai ouvert une playlist de musique, voilà, et je pense que je vais lancer ma première vidéo ici prochainement, et voilà, et je streamerai en même temps sur Twitch, donc il y aura ma chaîne stream, il y aura ma chaîne YouTube, donc, voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, voilà, je viens de découvrir ça, c'est plutôt sympathique, donc il n'y aura aucun gameplay dans cette vidéo, ne cherchez pas. Je tiens à vous dire qu'aussi, évidemment, forcément, comme une vidéo, ça prend moins de connexion qu'un live. Forcément, hein, une vidéo, ça prend moins de connexion qu'un live. Vous aurez toujours la même... Comment ? La même... comment ? Les mêmes couleurs que dans un live, sauf que vous aurez une meilleure qualité. Vous aurez quand même... Je trouve quand même que la qualité, elle est quand même mieux. Ça n'a rien à voir comparé à un live, la qualité est mieux, la qualité est supérieure. Dans le... Je peux mettre quand même en. Bon, je vais vous montrer, je peux mettre quand même en. Ah, je peux quand même mettre en 1920-1080, ce qui est quand même pas mal quoi. Sachant que. Voilà, j'ai pas la fibre. Alors, une vidéo ça prend de la. Forcément, si je fais sur OBS, ça va me prendre de la co. Mais ça va prendre quand même moins de connexion qu'un live. Ça, c'est sûr et certain. Ça va en prendre quand même moins. Une vidéo, ça prend pas beaucoup de connexion. Ça en prend un petit peu, mais vraiment moins qu'un live, quoi. Donc forcément, vous aurez une meilleure qualité. Ça, c'est clair et net. En tout cas, sur OBS, ça prend de la co. J'ai vu ça. Sur YouTube, ça prend pas de connexion hein, de faire une vidéo. Ben non. Mais sur OBS, ça en prend. Ah, apparemment, hein, d'après ce que j'ai vu et entendu, ça, bon, ça en prend pas beaucoup. Hein, je vous dis tout de suite, ça en prend. Hein, genre, ça prend. Bah, allez, 1%, même pas 1% de votre connexion. Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Quoi. Pour vous faire une idée, ça prend vraiment pas beaucoup de coups. Donc, forcément, vous aurez une meilleure qualité. Ça, c'est clair et net, vous aurez une meilleure qualité comparé à mes lives. Donc, là, déjà, on voit très clairement que comparé à mes lives, là. La qualité, elle est bien meilleure. Vous avez quand même... Bon, il y a un peu de flou, mais la qualité est quand même meilleure, hein, je trouve. Vous avez quand même une bien meilleure qualité d'image, quoi. Voilà, la qualité et le rendu est mieux. Vraiment beaucoup mieux, quoi. Moi, il y a rien à dire. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo test et annonce de l'ouverture de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc sur cette chaîne, vous y retrouverez... donc tout ce qui est PVP, donc PVP potes, des clips PVP potes. Alors évidemment, comme on est sur OBS, je sais pas si on peut faire du montage. Faudrait que je regarde ça. Je sais pas. Mais si on peut pas faire de montage, vous aurez des clips. Ou vous aurez des clips sans coupure. En gros, vous aurez des clips, on va faire que d'enchaîner des 1v1 et vous aurez de la musique. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas encore si on peut faire des coupes. Enfin du montage quoi. Si on peut en faire, j'essaierai. Je m'ai dit j'essaierai d'en faire parce que moi au niveau montage je suis pas un professionnel, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc c'était pour ouvrir ma chaîne YouTube. Voilà. Donc cette vidéo, je ne sais pas si cette vidéo sortira, je verrai. Je verrai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Évidemment, je ne force personne à s'abonner. Et à mettre un pouce bleu, parce que un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si, si, je vous assure, un pouce bleu, franchement, ça m'aide. Franchement, un pouce bleu comme ça, en soi, on se dit, mais c'est rien, un pouce bleu. En vrai, ça sert à quoi? Bah, si, parce que ça montre aux youtubeurs
que sa communauté bah, l'aime bien et le soutient. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu ou un like. Hein. Sur la commu gamer, évidemment, si vous avez envie, encore une fois, hein, moi je force personne, vraiment, je ne suis pas du tout le genre de youtubeur hein, qui va dire mettez un pouce bleu, sinon je fais pas de vidéo. Bref, voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, c'était Sweeter Zero. C'était le petit Sweeter à l'appareil. Voilà, je vous laisse et bonne soirée. Parce qu'on est le soir au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Bref, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et peut-être à plus tard pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube. Peut-être. Peut-être. Allez, à plus tout le monde.